Il aimait un petit chant. Quand il était petit, il disait Jésus est fidèle. Il chantait toujours Jésus est fidèle. Il disait toujours Jésus est fidèle. À l'âge de 16 ans, j'étais en sixième, je l'ai eu à 16 ans, et ce qui fait que lorsqu'on me voit avec Harold, beaucoup ne croient pas que c'est moi la mère d'Harold. J'avais mon petit lit en sixième, d'une place, je dormais toujours avec mon fils, et lorsque je priais, ça a commencé comme ça, lorsque je priais, moi j'adorais beaucoup, et Harold, lui, à côté du lit, il disait toujours, il répétait tout ce que je disais. Né en 1989 à Ouyem au Gabon, dans la province du Walentem, de M. Ndon ayant Adolphe François et de Mme Zangovolo Huguette épouse Ekogao. Il grandit avec ses grands-mères, mesdames, Tseng-Tseng Don Germaine et Yang Ndeng. Né musicien, entre la vivante foi chrétienne charismatique et pentecôtiste de la famille maternelle et le leadership politique, artistique et sportif de sa famille paternelle, c'est un homme de Dieu, en plus d'être héritier du lourd patrimoine spirituel et artistique, pour être capable de parler à ceux de son temps. Il fait ses premiers pas dans la foi, la louange, au centre d'évangélisation Bethany, et dans la musique avec sa mère chante. Ce côté de la chanson, en fait, je dirais que peut-être qu'il détient ça de moi, parce que moi-même déjà je chante. Mais comme on dit souvent que on veut toujours que les enfants fassent plus que les parents, parce que lorsque je regarde ce qu'Harold fait aujourd'hui, je me dis ah, c'est vraiment, il détient ça de moi, parce que depuis l'âge de Harold, depuis petit, il chantait déjà. Et je me rappelle, ses grands-parents disaient toujours, mais lorsqu'il entendait quelqu'un chanter, il aimait chanter. Et à chaque fois que j'ai envie de titiller Harold, je lui dis toujours, bon, voilà la carrière, tu vas bientôt commencer, mais est-ce que tu te rappelles de ton premier chant? Et j'ai envie de le titiller aujourd'hui pour chanter le premier chant d'Harold. Le premier chant d'Harold, je ne maîtrise pas bien les paroles, mais je crois qu'il disait, oui, je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour. Me garder dans sa main précieuse. Il m'a sauvé dans son amour. C'était le premier chant d'Harold. Ah, Harold, vraiment, bébé à Yode. Vraiment, je te vois encore tout petit. Mais en fait, moi, c'est la maman d'Harold. C'est moi la vraie maman. C'est même moi. Hein? Je t'ai vu tout petit avec la couche culotte. Oh, mon fils. Non, tu me fais chaud au cœur. Les mots me manquent, Seigneur, pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Harold que j'ai vu bébé. J'ai vu Harold tout bébé. Ayade. Non. Ah! Aujourd'hui. Un jour, je ne sais pas, poussé par l'Esprit de Dieu, je lui ai offert un piano. Il était encore petit. Certainement, j'avais constaté qu'il y avait déjà des signes par rapport à son don. À 16 ans, il accepte le Seigneur grâce à son frère et ami Willing Mamba III et intègre le groupe de louanges dirigé par sa tante Nancy Obama, où il va tout apprendre sur la vie en Christ et les bases de la musique. Il passe progressivement les étapes de chœur de masse, chœur de précision et lead vocal. Et un jour, un chantre où je priais me disait,
m'a dit un jour, Morissette, ainsi par l'Éternel, Dieu me dit qu'il voit comment tu pleures chaque soir pour ton enfant. Mais ne t'en fais pas, dans bientôt, cet enfant va t'étonner de la manière dont je vais l'utiliser. Et la même année, je n'ai rien compris. 5 mois plus tard, Harold était en troisième. Il va m'appeler et moi je me disais, bon, quand il m'appelle, c'est sûr qu'il veut encore l'argent, que j'envoie l'argent. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? La première fois, il va me dire, maman, j'ai accepté le Seigneur. Et je te demande pardon pour ce que j'ai fait, toutes les fois que je t'ai mise en pleurs. Et je vous assure, c'était une libération pour moi. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'enverrai ma bénédiction. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Oh, et je guérirai son pays. Je ne suis pas étonné de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, puisque beaucoup de jeunes se perdent parce qu'ils ne connaissent pas la voie que Dieu a tracée pour eux. Et lui, justement, il a compris ça très tôt, très vite. Et il a préféré emprunter cette voie, qui est même la meilleure d'ailleurs. Lorsqu'on fait ce que Dieu a prévu pour vous, je crois que c'est la meilleure chose. Et j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Je t'ai consacré cet enfant. Je ne suis pas étonné parce que Dieu m'avait dit, il va m'étonner de la manière qu'il va utiliser cet enfant. Et lorsque je vois ce qui se passe dans sa vie, je ne peux que rendre gloire à Dieu et demander à Dieu de le garder sur le droit chemin. Il découvre le gospel avec des grands chantres qui vont fortement l'inspirer, tels que Patrice Matalex, Magic Ilkana, Christian Obissi, et vont lui transmettre la passion des performances vocales. Il a pris le meilleur job, adorer Dieu. Celui que nous adorons, hey, que nous adorons, celui que nous adorons, hey, que nous adorons, celui que nous acclamons, alléluia, hey, que nous acclamons. Quelqu'un qui est arrivé, je l'ai vu jeune. C'est vrai qu'il est toujours jeune, mais bon, quand il est arrivé, il était un peu plus jeune que ça. J'ai pu voir quand même de la maturité dans sa voix, dans le conducteur qu'il est. Certainement, si nous avons des talents dans le domaine du chant et dans le domaine de la louange, je pense que nous pouvons compter Harold comme parmi les talents et les dons que Dieu a fait à la communauté chrétienne. On peut vraiment compter sur lui parce que c'est quelqu'un qui aime la perfection, qui travaille beaucoup pour pouvoir être meilleur, voyez-vous. Et c'est quelqu'un qui a de l'avenir, s'il faut dire ça comme ça. Lorsque j'ai fait sa connaissance, tout de suite, j'ai senti que ce garçon avait du talent. Et le temps que nous avons passé ensemble m'a permis vraiment une fois de plus de déceler quelle était sa capacité à aller plus loin. Et aujourd'hui, le travail qu'il fait dans l'église, qu'il fait hors de l'église pour impacter sa génération, est une preuve, d'autant plus que la qualité de sa voix, son témoignage au sein de sa famille. Il est simple. Il te prend comme tu te présentes. Et je peux dormir tranquille. Carole, partout où il peut aller,
Si on vient me dire qu'Harold a fait quoi que ce soit, il a cherché des problèmes à quelqu'un, je dirais non, parce que je connais mon enfant. Harold, ce n'est pas quelqu'un qui aime des problèmes. Grâce à son talent et à son parcours, il est aujourd'hui membre de la grande troupe professionnelle des meilleures voix gospel du Gabon, Expression Voix, et membre des Chantres Unis du Gabon, un artiste gospel gabonais et africain, un des multiples héritiers du grand chanteur Patrick Obama. Il exerce son ministère pastoral sur les chantres du Centre Évangélisation Bethany sous le regard apostolique de son mentor, le révérend Francis Michel Badinga. Harold, c'est un musicien talentueux, ça c'est sûr. Il a des compétences sur le plan, on va dire académique, musical. Certainement, il a des compétences. Je crois que c'est quelqu'un qui a des dons, un savoir-faire, un professionnalisme, qui a besoin d'être encouragé. Il doit prendre conscience du talent, du don qu'il a, au-delà du fait d'enseigner, mais il peut encore aller plus loin. Il faut qu'il prenne le risque d'aller, on va dire, au-delà des chemins, on va dire, psychologiques et mentaux qui sont les siens. Quand on parle d'Harold, on parle de voix aussi. Ouh là là, qualité de la voix, mamma mia. Il a une voix quand même terrible. On va boire ça avant le concert. Ouais. Une banane peut-être. Aïe. Voilà, c'est avec toi. On se brûle les cornes. Un jus. Alors, viens. Ce que je vois Dieu faire avec cet enfant, c'est parce qu'il y a une prophétie sur cet enfant. Et ça ne peut qu'être qu'une fierté. C'est pas donné à toutes les mamans, mais je vous assure ce que Dieu est en train de faire. Parce que cet enfant, je vois, il coach les gens. Harold n'a jamais été dans une école de musique. Je me pose la question, comment il fait? Parce que vraiment, il fait des choses extraordinaires. Je suis fière de mon fils. Je suis fière de lui.